que c'est un lieu fantastique. Je crois qu'on a eu la chance de pouvoir l'acquérir un petit peu par hasard au moment où mon père cherchait un siège pérenne pour la fondation Hippocrène. Et il avait des idées qui étaient complètement différentes. Et tout d'un coup, il a eu l'opportunité de voir ce lieu. Et je crois d'ailleurs, Jean, que tu as participé à la décision puisque mon père t'a contacté pour te demander ton avis. Et je pense que c'est extraordinaire. Il se dégage de ce lieu. Enfin, cet architecte a été capable de donner à ce lieu une espèce d'aura qui fait que chaque fois qu'il y a un événement à la Fondation, un événement de quelque sorte qu'il soit, que ce soit une exposition, que ce soit de la musique, que ce soit une conférence, ça se passe toujours de manière un petit peu magique parce que les gens se sentent bien dans ce lieu qui a été conçu de manière merveilleuse, avec cet éclairage naturel qui vient de l'extérieur qui est superbe, avec cette architecture tout à fait particulière qu'a créée Malestévins dans les années 1920-1930. Et je crois que l'immeuble lui-même est de 1927, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un endroit où même quand les gens viennent simplement me rencontrer, ils sont heureux d'être ici. Et cela facilite énormément les dialogues.